Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, première petite vidéo de l'année 2022. On vous souhaite aussi une très bonne année 2022, évidemment. Alors aujourd'hui, je suis un peu seul, c'est-à-dire que je n'ai pas mon acolyte habituel, c'est-à-dire Monsieur Pascal, The Voice. Et non, aujourd'hui, il est absent. Alors, j'ai appelé la cavalerie. Et la cavalerie, messieurs, dames, ça rigole pas, puisque c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, car j'ai fait des vidéos avec nous, et quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est monsieur Marty. Yeah! Yeah! Wow! Salut, guys! Oui, ah oui. Voler la vedette! Comment ça va, Marty? Ah, ça va bien. Depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. Ben oui. En vidéo. Parce qu'on se voit d'habitude. Hein. Voilà. On se voit un petit peu d'habitude. Alors, Marty qui fait plein de choses, c'est pour ça qu'on ne le voit pas beaucoup. Voilà. Puisque, comme certains le savent ou d'autres ne le savent pas, monsieur fait des pedalboards et ça s'appelle Marty's Pedalboard et c'est de la balle. Voilà. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de ça. Alors, ça, c'est quoi? C'est Epiphone. Epiphone. Alors, dis donc, bon, déjà, ça ressemble à une Les Paul. Bah oui. Hein? Bah oui. Ça, on va pas s'y tromper. Hein. Ah, dis donc, c'est joli. Hein. Bon, dis-moi, c'est quoi les bois là-dessus? Eh ben, écoute, on est sur de la cajou et puis table érable. Hein. Bombé? Ben oui, bombé. Ouais, beau. Hein. Belle Les Paul bombée. Ah oui. Ah oui, ça, on en va en parler tout à l'heure. Il y a une petite trappe. Et la petite trappe, c'est pour mettre quoi? Eh ben, une petite pile. Ah dis donc, d'accord. Et on va en parler un peu plus tard. Putain, les mécaniques à blocage gros. Ouais. T'as vu comment c'est monté l'engin là? Eh ouais, on est sur des micros qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des types Les Paul. Et le manche, c'est quoi? C'est de l'acajou? Acajou, alors on est sur... alors déjà, c'est la série Prophétie. Ça comporte quatre guitares, ouais. On a la forme Les Paul, l'ASG, oui. La Flying, oui. Et puis l'Explorer. Oui. Hein, l'Explorer. Bah, toute la gamme quoi. Et ben, toute la gamme qui a fait l'histoire du rock'n'roll quoi. Oui c'est ça. En gros. Hein. En tout cas bon super. Alors oui alors manche voilà. Alors cajou, manche à cajou. Table. La table en érable. Alors érable mais grade 3 AA. Ah oui? Ouais. Alors, comme tu me diras, elle a la classe. Hein. Ouais. La petite. Hein. Ouais. Donc le manche à cajou, mécanique à blocage, automatique Grover. Non, c'est bon. GravTech. GravTech, non, et l'accastillage, redoutable. Hein. Ah oui. Redoutable. Oui. Redoutable. Bon, l'accastillage, le bois, on connaît, c'est super beau et tout, mais alors là, il y a ça. Eh ben ouais, on est sur des micros actifs Fishman Fluence. Voilà. Les nouveaux là, donc avec une électronique particulière. Hein, oui, c'est ça. On va en parler un petit peu parce que c'est particulier. C'est pas compliqué. Ah non, du tout. Hein, c'est pas compliqué, mais il faut s'y faire. Bah hein, oui. Voilà. Hein. Bon, je vais me mettre en son clair un petit peu moi pendant que voilà, hop, comme ça au moins on va avoir un petit peu le son différent de des micros. Hein. Bon, ouais. Alors, c'est parti. Dis donc, je suis en position. Dis-moi, c'est toi qui me commandes. Alors, on est déjà sur des push-pull. Pour avoir trois types de sonorités différentes. Oui. Donc on va avoir une sonorité moderne. Push-pull hein. Partout. Hein. Moderne. Alors donc quand le volume et la tonalité sont enfoncés, on est sur une touche plutôt moderne. Ah. Un son plutôt moderne. Plus rentre dedans. Ah oui quand même. Ouais. Plus rentre dedans. Ok, là voilà. Ça rentre. Méchant dedans. Voilà. Hein. Après, quand on est sur la tonalité de tirée de mémoire, on doit être sur la version PAF. Je tire. On va voir si je me suis pas trompé. C'est ça. Ouais, je suis plus dans le PAF. Hein. Voilà. C'est un petit peu plus chaud, un peu moins claquant, on va dire. Ok, là j'ai tiré ma tonalité. Maintenant. Quand on tire le volume, eh ben, on va avoir une sonorité. Allez, on va tirer sur le single coil. Ouais. Le simple bobinage. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, d'accord, bah on va oui. Plus, hein.
on peut avoir un sacré paquet de sons avec ça. Eh ben oui. Comment dire et je peux combiner mes deux là, quoi, si j'en mets qu'un là, ouais. Non, ça va. Ça... Apparemment, ça change pas. Ah ouais. Ah non, non, non. Et c'est plus facile d'ailleurs à ma, voilà, oui, oui. En live. Ouais. Autrement, t'es obligé d'en pousser, tirer l'autre en même temps. Ça va être très compliqué. Côté, voilà, c'est ça. Non, écoute, c'est plutôt sympa. Alors, évidemment, je me rapproche de mes caméras, mais vous allez voir que ça fonctionne évidemment sur mon micro chevalet, mais ça manque aussi sur mon micro neck, hein, évidemment. Voilà. Hein, puisque, voilà. Elle se tire partout les petites. Et on a la même chose hein, sur mon micro neck. Hein. Oui, 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 bien hein sûr. Voilà ce qu'il va donner. Hein. Je suis plus chargé. Très chaud. Hein. Non, vas-y, excuse-moi, la version... ouais. La version... Ah, elle change avec la petite version moderne sur version moderne sur le micro manche, ouais. c'est quand même assez sympa. Ouais, on l'a fait un peu exprès aussi de jouer très blues avec parce que c'est vrai qu'on présente surtout le fluence bah oui. Comme un micro. Bah oui, c'est parce vrai. Que, parce que ça y a beaucoup de guitares typées très métal en son équipé. C'est vrai, mais pas que. Non, justement, hein, c'est la preuve. Mais pas que. Alors, je vais remettre un petit peu de graillon dans le business hein, pour aller refaire un tour là-bas. Mais c'est vrai que le fluence, ben ouais, quand il va être. Voilà, je suis en moderne, hein, c'est ça, les deux boutons. Hein. Oui. Voilà, évidemment. Hein. Plus à l'aise là-dedans. Ouais. Alors ça, on a fort, parlé oui. de la l'Expo, mais il y a autre chose. Eh ben, tiens, regarde. Ah ben déjà. Celle qui m'a dérangé quand je suis arrivé tout à l'heure. Eh ben déjà une Flying V. Voilà, on est sur le Flying V. Dis donc, c'est une Type 58 ça. Direct. Eh ben c'est bah oui, on est sur du modèle 58 sans aucun problème. Alors pareil. Table en érable, pareil. Les splits. Voilà, corps à cajou, manche à cajou, microfluence. Ouais, tout le truc qui va, pareil, qui va très fort. Quoi. Donc, évidemment, une guitare. Bah, par contre, on a juste une tonalité puis un volume. Oui, bah, de toute façon, hein, voilà. Voilà, hein, c'est plus. C'est vrai qu'elle est plus dans le. Alors là, je suis sur mon micro d'attaque, je peux être aussi sur mon micro. Et là, on est sur le simple. Ouais. Là, enfin, sur le simple. On est sur une sonorité qui s'approche d'un simple abominable. Ouais. Ouais, non, mais c'est évident. Hein. Bon, alors là, guitare beaucoup plus pêchue. Encore une fois, ouais. On peut jouer du blues avec ça, il n'y a pas de souci. Bah oui. Mais attention, on va être un peu plus massif. Dis donc, on a quoi encore? Eh ben, non, je vois une belle EG. Tu peux te lever, là, on est entre nous maintenant, là. Ouais. Eh ben moi, c'est un peu ma chouchoute, tu sais que j'aime bien les EG. Joli, joli. Et là, on a quand même quelque chose. Ah, c'est joli. Et en plus, c'est celle-ci, elle est particulièrement bien réussie parce que. Voilà. Ouais, c'est beau. Alors, toujours avec les mêmes configs. Ah, pareil, hein, on est bien sur la série Prophétie. Voilà, avec toujours les mêmes mécaniques automatiques à blocage, le CIE GraphTech. Je vais la montrer. Voilà, petit Explorer qui est pas mal. Voilà. Logement pour la pile, etc. Youhou. C'est facile à jouer. Je peux vous dire un truc, c'est que ces pelles sont assez faciles à jouer. Et on fait voir la petite Explorer, hein, tu vois, on va regarder ça parce qu'on compte démonter le mur à l'arrière, hein, c'est plus cool, ça vient d'arriver, donc on tourne. Explorer, plutôt sympa, aussi. Explorer, voilà. Ah ouais, finition. Alors cette couleur-là, c'est juste... ouais, c'est un fait. C'est juste fabuleux. Ouais, j'admets. Là, c'est beau. Eh, hey, on n'a pas parlé de la touche. La touche est en ébène. Oui, la touche ébène. Ah oui, on est vraiment. Eh oui, on est trop excusez-nous. On est trop nuls. Je viens de m'en rendre compte. Touche ébène. Je trouvais la touche bien noire dans l'écran. Donc, touche ébène, voilà. Alors,
Regardez un peu ces incrustations sur les blocs aussi. Dis-moi mon Marty. Ouais. Bon, je suis un guitariste de rock'n'roll. Bon, pas trop blues, mais assez rock'n'roll, tu vois, j'envoie le gaz. C'est une guitare pour moi ? L'Explorer ? Non, en gros, la série Prophétie. Oui, bien sûr. Mais je crois qu'on peut. Je crois que. Sans vraiment me tromper, je pense qu'on peut jouer vraiment beaucoup de styles avec cette guitare-là. Ouais. Avec cette série-là, pardon. Avec cette série-là. Après, il n'y a que les formes qui changent. Hein. Ça marche, hein? Bah oui. Bah écoute, hein. Franchement, ça marche. Allez-y sur les prophéties parce que c'est une bonne guitare. Encore faut venir les essayer parce que le Fluence, c'est un micro particulier. Il faut s'y faire, etc. C'est pas compliqué avec les push. Hein. On a pris une petite feuille tout parce qu'on connaissait pas les guitares, mais très vite là, ça y est, c'est fait. On les connaît. Pas de problème. Donc, eh bien, écoutez, venez les essayer. En tout cas, nous, on est super contents de reprendre les vidéos avec vous, avec mon Marty. Je crois qu'on en aura plusieurs, et ça partit avec Marty aussi, et mon Pascal qui revient aussi, évidemment. Alors, n'hésitez pas, inscrivez-vous sur les réseaux. Hein. Allez-y, likez, envoyez des questions, on vous répond, il n'y a pas de problème. Les tournages, on continue avec du matériel actuel, matériel, etc. Oui, dis-moi. Moi, j'ai une petite question. On est dans quel ordre de prix, là, John ? Zut, c'est vrai. Alors, on est entre, moi, je dirais 850-870 balles. Eh ben vous m'en mettrez une douzaine. C'est vrai, non, mais blague à part, dans ces tarifs-là, franchement, redoutable. Bah, toi, je savais pas. Tu vois, ça fait réfléchir. Ouais, bah, oui, effectivement. Non, mais là, Epiphone fait des trucs incroyables. Hein. Donc, on va dire à 900 balles, vous avez une pelle, bah voilà ce que ça donne. Oui. Hein, voilà ce que ça donne. Excusez du peu, mais là, vous pouvez y aller. Hein. Il y a le choix en couleur au magasin. Hein. Il y a le choix en couleur. Sur le magasin de Nantes et de Bordeaux, vous allez trouver. Et le site internet. Hein, et le site internet. Vous allez retrouver toute la série Prophétie. Allez voir les garçons, demandez-leur, là, essayez, etc. Vous allez voir, c'est à faire. En tout cas, mon Marty, moi, je te fais un gros bisou. Oui. Et puis, moi aussi, à vous de tous. De même. Ciao. Ciao.